On est à l'ère du numérique. Quand l'État du Sénégal décide de raccourcir les délais de traitement des procédures administratives et que dans cette perspective, la commune de Rouskinon soit choisie dans le département pour abriter cet espace Sénégal Service, c'est pour nous une très grande fierté. La commune de Rouskinon, à travers ma personne, vous dit merci. Le conseil départemental de la jeunesse de Rifisk salue cette inauguration qui matérialise la vision du président de la République qui vise à approcher l'administration de ses usagers. Cet espace qui abrite le pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes est pour nous un moyen pour davantage sensibiliser les jeunes à adhérer à la politique du président de la République, surtout dans le cadre de la territorialisation de l'emploi, mais surtout aussi dans le cadre de la vulgarisation des financements pour les structures de jeunes. À mon nom et au nom de toute la jeunesse du département de Rifisk, Monsieur le Directeur, soyez remercié et recevez tous nos encouragements et nos félicitations. Si nous sommes accueillis et que nous recevons, c'est vrai que Dieu nous a fait. Dans le cadre de Dieu, nous demandons à Dieu de nous aider. Et que nous voulons tout ce que nous voulons, Dieu nous a fait. Nous devons nous parler avec les jeunes, avec tous ceux qui veulent nous aider. Parce que nous sommes ici. Nous avons travaillé avec Dieu. Au nom du président directeur général de InTouch SA, que j'ai l'honneur de représenter, nous nous réjouissons d'avoir été associés à l'inauguration de Espace Service Rufisk, mais surtout de pouvoir nouer un partenariat avec Sénégal Numérique sur les espaces Sénégal Service dans le cadre du projet 10 000 Diambars que nous avons initié avec la fondation Mastercard. InTouch SA est une entreprise panafricaine créée par un Sénégalais et présent dans 14 pays. C'est un agrégateur de moyens de paiement et services digitaux. Les espaces Sénégal Service sont pour nous l'opportunité de matérialiser le partenariat public-privé et de participer à étoffer le catalogue d'emploi au Sénégal à travers ce projet 10 000 Diambars qui permet aux jeunes, à des jeunes Sénégalais, de pouvoir créer un écosystème de services digitaux mais aussi d'avoir accès à des espaces dédiés qui leur permettront d'avoir un travail décent et innovant. Le chef de l'État, M. Macky Sall, conscient du fait que l'instauration d'une administration de proximité passe irrémédiablement par la généralisation de l'usage du numérique, a facilité le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire national. Grâce au digital, en effet, le service public devient beaucoup plus accessible et l'espace Sénégal Service de Rufisk, à l'instar de ses semblables dans les autres départements, permettra aux Rufisquois de bénéficier des services de l'administration sans un parcours fastidieux vers les capitales régionales. Nous lançons donc un appel à la population pour qu'elle s'approprie et en tire le maximum de profit. Ndawni li sen yef la jigen ni li tay sen yef la ba ci ñun mag ni sax ndax ku ci am keet go xamantene ci yank bëgg topato ta xamo won fo jaar ba am ko li ak yombal la fi do dugg auto do def dara da nga duggal ci biir fekk fa ay nit ño xamantene ci ñu xam sen liggéey lañu ñu xam am discipline lañu ñu accueillir la tek la ci yoon nga gënal ta do ci am ben ciono. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom de la commune de Yombal Nord, qui a l'honneur et le privilège d'abriter l'espace Sénégal Service du département de Kër Massar. La commune de Yombal Nord s'engage à accompagner l'espace Sénégal Service pour son appropriation par les populations locales en vue d'assurer un taux de fréquentation maximal. Nous, jeunes, nous avons depuis longtemps
débattu, combattu pour avoir des espaces dédiés. Cet espace aujourd'hui est une réponse par rapport à cela. Parce que ça permet non seulement, je ne parle pas, le fait que le Sénégal soit réduit en un village, du fait qu'aujourd'hui, le jeune qui vit à Dakar, mais qui est natif de Saint-Louis, n'a plus besoin d'aller à Saint-Louis pour retrouver son acte de naissance, mais à partir de cet espace, il peut l'avoir, et tant d'autres services. Mais c'est un centre d'incubation. Ça va promettre la facilitation pour le travail, l'émergence des jeunes qui ont des projets porteurs. Mais aussi, c'est un pôle emploi. Si on comprend bien, tous les services de l'État déconcentrés seront au niveau local. Donc, je dis qu'aujourd'hui, Kermessar a un privilège. Car, si nous nous rappelons bien, cet espace-là n'était pas pour le département de Kermessar. À l'origine, c'était pour le département de Pikin. Malheur au département de Pikin, bonheur au département de Kermessar. N'oublions pas que cet espace nous est dédié. Donc, venons fréquenter cet espace. Venons s'enquérir des commodités, des opportunités que nous offre cet espace pour le bien-être de tous. Parce que le département de Kermessar a besoin d'une jeunesse forte, d'une jeunesse éveillée, mais d'une jeunesse consciente. Di wax ni kër gi suñu kër la. Ndax li tax ma wax ni suñu kër la moy ku am problème rek da nga ñëw séti badjan ko. Ku am problème ci biir quartier yi da ngay séti badjan ko. Da ngay gis ko xamanteni day am problème papier bu ñëwé da la koy laaj ngay dem di orienter fu ne nga ko fay yobbu ta tay kër ga ngi ni dendek ñun. Comme ni ko sama dom Moustapha waxé légui. Da quartier ba gëna reculé ci biir Sénégal wala commune ba gëna reculé ci biir Sénégal bu fa nit juddo bu soxla extrait de naissance defena ni dotul pas ci dem bu soxla casier judiciaire dotul pas ci dem mu nekk kër gu am jariñ kër gi jariñ neena fi nek formation yi xeyum ndaw ni lepp lu ci way soxla rek bo ñëw fi dinañ la orienter tegg la ci yoon. On a un produit phare qui rentre aujourd'hui dans cette logique de cette activité qui est nous ce qu'on appelle le guichet jeunesse. Donc il est déjà en ligne la version test guichetjeunesse.sm. Donc vous pouvez déjà aller faire un tour. Donc le guichetjeunesse.sm est censé faire aujourd'hui toute la curation et l'agrégation. Madame, toutes les informations qui concernent les jeunes qui sont dans 15 sites seront regroupées au niveau de notre site. Donc pour faire plus simple, au lieu d'aller sur 20 sites pour avoir une seule information, il faut venir au niveau de notre site pour avoir les 20 informations. Il y a aussi l'aspect formation. Donc, nous, les gens qui composent le consortium, on a un background sur la question de l'entrepreneuriat et sur la question de la citoyenneté. Et donc, nous avons mis en place plusieurs programmes de formation pour accompagner les jeunes aujourd'hui dans leur développement, dans leur autonomisation et dans leur inclusion. Et c'est dans le cadre de cette phase programmatique qu'on a fait encore ce partenariat avec les espaces Sénégal Services. Parce que je pense que mes prédécesseurs l'ont tous dit, avoir un joyau pareil, c'est magnifique. Mais si les populations ne viennent pas occuper cet espace, ça va être un peu caduque. Donc cet espace, c'est pour vous et il faut vraiment venir l'occuper. Et nous, en tant que partenaires, on va donner les modules d'animation qui feront que les jeunes qui viendront ici trouveront de quoi être occupés par rapport à leur développement. Nous nous sommes donné comme mission à Volcano de lier les deux mondes. Autrement dit, de former les jeunes dans les nouvelles technologies dans un premier temps. Dans un second temps, d'accompagner les entrepreneurs à développer leurs projets à l'étranger. Et enfin, quand le jeune est suffisamment qualifié, de l'aider à trouver du travail, via un stage. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui partenaires avec l'Espace Sénégal Service, via l'école de formation de Volcano, qui sera, Inch'Allah, présent dans les 45 départements, et qui permettra à des jeunes qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas le BFM, qui n'ont pas l'entrée de se former au numérique, de se former à l'innovation, au travail d'équipe, et de pouvoir s'insérer. Notre rêve, nous, c'est que tous les espaces Sénégal Service permettent à des dizaines de milliers de jeunes de se former chaque année et à tous les jeunes qui sont formés de trouver du travail. Je me réjouis particulièrement de l'inauguration de l'espace Sénégal Service de Kermessar. En effet, voir le dernier né des 46 départements de notre pays être né son dispositif de l'approchement de l'administration et du service public est un aboutissement heureux. Les jeunes, les femmes, les retraités, bref,
tous les citoyens de cette localité sont invités à faire de ce joyau leur dispositif favori pour toutes sortes de démarches administratives. Aujourd'hui et maintenant, les services de l'urbanisme, dont les procédures sont dématérialisées, sont présents dans ces espaces, mais également dans le portail senegalservices.sn. Qu'il s'agisse du permis de construire, du certificat d'urbanisme ou du certificat de conformité de l'autorisation de construire, nos agents sont bien outillés pour vous accompagner dans l'obtention de ces documents administratifs, du simple renseignement ou à la délivrance, en passant par l'orientation, le traitement ou le suivi. Aussi, la phase pilote en cours est en train de nous montrer toute l'étendue de l'opportunité de faciliter la délivrance des actes d'état civil. En effet, quel que soit l'endroit où votre naissance avait été déclarée à travers le pays, vous avez aujourd'hui la possibilité dans n'importe quel espace Sénégal Service à travers le pays, donc d'introduire votre demande d'acte de naissance, de copie littérale, de certificat de mariage, j'en passe. Notre réseau, donc présent dans tous les chefs-lieux de département du Sénégal, se chargera du reste afin de satisfaire votre demande dans les meilleurs délais. Les espaces Sénégal Service viennent à point nommé, entre autres pour régler énormément de problèmes liés aux procédures administratives classiques qui ont pendant longtemps pris beaucoup de temps et d'énergie aux usagers du service public. En les érigeant dans tous les départements du Sénégal, Sénégal Numérique SA satisfait ainsi un vœu cher au chef de l'État qui souhaite que l'administration publique soit davantage au contact, à l'écoute et au service des usagers. D'ailleurs, c'est dans cette même dynamique que Keur Massar a été érigé en département pour donner plus de célérité dans la prise en charge des besoins des populations. Désormais donc, ici, à l'espace Sénégal Service de Yeumbel, celles-ci pourront bénéficier d'une offre de services plus moderne et plus rapide avec la dématérialisation de nombreuses procédures administratives. J'en citerai une seule qui pourrait largement suffire pour montrer toute l'importance de cet espace. Je crois que tous ceux qui ont pris la parole en ont parlé. C'est la question de l'état civil. Chacun de nous a été au moins une fois dans sa vie confronté à un problème par rapport à l'obtention d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, du simple fait de son éloignement par rapport à son centre d'état civil de rattachement. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose finie grâce à cette belle réalisation de Sénégal Numérique SA.